Si je devrais te résumer ma mission de vie, alors je te dirais que ma mission de vie est pour aider une femme ou un homme à la fois à rentrer dans sa destinée afin de réaliser ce pourquoi il a été créé. Je crois fortement que chaque être humain est unique et précieux. Chaque être humain est né pour un but bien spécifique. Et c'est ce but-là que cette personne a besoin pour réaliser sa plus grande destinée, son grand rêve, vivre une vie à 360 degrés, une vie qui vaut la peine d'être vécue, d'être dans son sweet spot et réaliser tout ce qu'elle désire. Alors, et ma vision est claire aussi, je vais te le dire, c'est d'aider 1 million de personnes, accompagner 1 million de personnes dans le monde à transformer leur vie, développer leur leadership et ce, d'ici les 5 prochaines années. Bonjour à toi, je suis Fadler Célestin et je fais cette petite vidéo pour toi qui a décidé de répondre à ce message pour devenir ambassadeur, ambassadrice du FC. C'est un podcast et toutes les semaines. Donc, tu as un podcast qui est destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Alors, l'objectif du FC Leadership Podcast est lié à ma mission de vie, aider une personne à trouver le sens de sa vie. Donc, ce qui veut dire que ce podcast, je l'ai créé il y a 3 ans. Aujourd'hui, je suis à une centaine de milliers de personnes touchées, une centaine de milliers de téléchargements dans le monde, voire plus, parce que je n'ai pas toutes les statistiques, parce que mes podcasts sont un peu partout sur le web. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ajouter de la valeur dans la vie de ces gens-là qui veulent sortir du statu quo, qui veulent arrêter de suivre la vie, mais qui ne savent pas comment faire. Alors, j'ai envie vraiment de les toucher. C'est ce qui m'anime tous les jours. Voir les gens réaliser leur plus grand rêve. Et chaque personne qui réussit, c'est ma joie. Donc, j'ai lancé ce podcast dans cet objectif-là. Donc, si tu me connais, bon, la plupart des gens qui ont répondu me connaissent et certains ne me connaissent pas. Je suis coach professionnel, certifié RNCP, je suis consultant formateur, je suis également auteur, je suis spécialiste en tout ce qui est leadership et transformation professionnelle, personnelle et d'affaires. Pourquoi cette vidéo? Alors, cette vidéo, c'est dans un premier temps pour te remercier. Te remercier parce que tu as dit oui, parce que tu as senti dans ton cœur de me répondre. Et ça m'a beaucoup touché et j'ai beaucoup de gratitude pour cela. Et ça m'a touché d'une manière et ça me montre aussi combien tu veux croire dans cette vision du FC Leadership Podcast. Je te remercie. Alors, autre chose, c'est pour t'inviter à une réunion d'information qui va durer à peu près 30-45 minutes. L'idée, c'est pour t'expliquer la vision, t'expliquer la mission et t'aider à comprendre qu'est-ce que j'entends par ambassadeur, ambassadrice du FC Leadership Podcast. Et tu vas pouvoir poser tes questions et je vais pouvoir te répondre aussi. Donc, je vais t'aider à comprendre pourquoi je fais appel à toi. Comme ambassadeur, ambassadrice, comment tu peux m'aider, hein, et comment aussi je peux t'aider. Parce que je pense que ça va être un échange, parce que nous sommes des êtres de relation, donc il y a toujours des échanges qui vont se faire pour toi et pour moi. Aussi, c'est de pouvoir faire passer ce message d'espoir pour aider une femme, un homme à transformer sa vie. Donc, je t'invite à participer à une réunion donc, qui sera de 30 à 45 minutes. Donc, là, je ne vais pas te donner la date dans cette vidéo. Par contre, je vais t'envoyer un lien Doodle. Le lien Doodle, tu vas cliquer sur ce lien Doodle. Tu vas choisir la date qui te convient. Je vais mettre un mix de dates et tu vas choisir la date qui te convient. Et la date où il y a plus de personnes qui ont réservé pour cette réunion, c'est cette date-là que je choisirai. Et pour ceux qui ne pourront pas participer à cette date-là, soit je fais un replay, soit je les contacte directement. Et pour cela, on va pouvoir déjà échanger ensemble et voir comment nous pouvons faire pour travailler ensemble sur ce projet FC Leadership Podcast, donc pour le faire avancer. Ma vision, c'est vraiment que les gens puissent s'épanouir au maximum. On voit aujourd'hui ce monde
qui va mal. Donc, on a l'impression que ça, il y a des problèmes partout aujourd'hui. Crise sanitaire, crise politique, crise ceci, crise cela, tremblement de terre, etc., etc. Les gens ont besoin d'espoir. Alors, nous ne pouvons pas rester là dans notre petit, dans notre petite vie au quotidien et puis, ben, voilà, à faire du métro-boulot-dodo. Nous devons agir. Aujourd'hui, nous avons Internet pour pouvoir agir. Par contre, quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui a une vision, ne peut pas l'atteindre seul. Il a besoin d'autres personnes qui croient dans cette mission, dans cette vision, et qui veut, en toute authenticité, en toute liberté, sans contrainte, l'aider dans cette vision. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à toi. Et je te remercie parce que tu as répondu. On va voir ensemble qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Merci pour le temps que tu consacres. Merci pour ta réponse à cette réunion qu'on va faire ensemble pour voir, pour te donner vraiment les directives claires de cet objectif de FCDH Podcast. Et voilà, pour qu'on puisse voir comment nous pouvons travailler ensemble. Ma joie est dans ta réussite et je te dis à bientôt. Clique le lien que je vais t'envoyer et comme ça, on va se voir ensemble pour échanger autour du projet ambassadrice du FC Leadership Podcast. Merci d'exister, merci pour qui tu es et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.